Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Pic Project Pan de fin d'année. Donc, si vous voulez voir ce make-up, je vous le mets juste ici. C'est le make-up rouge et blanc de l'année. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par... Il y a deux parfums que je veux absolument terminer cette année. Enfin, un parfum et une brume. Donc, je vais essayer de finir la Amber Rush. Enfin, je vais pas essayer, je vais terminer. La Amber Rush de chez Bath & Body Works. En format 88 ml. Ça fait très longtemps que je l'ai. J'adore son odeur. Là, je vais en mettre un peu. Et je l'ai ressorti. Il faut que j'en finisse au moins une. Mais voilà. Celle-ci, je pense que ça va être facile à terminer. Et cet été, il faut absolument que je termine mon parfum de chez Yves Rocher à la fleur de cerisier. Donc, c'est le cerisier en fleurs. Je crois qu'il n'existe plus. Il ne me reste pas des masses, hein, mais j'ai du mal à la terminer. C'est ma deuxième bouteille, pourtant. À un moment, j'en mettais tout le temps, même pour parfumer la maison. Et là, cette année, je ne l'ai presque pas utilisé. Donc, cet été, il faut absolument que je termine. Alors, ensuite, en soin, il y a déjà mon huile à cheveux qu'il faut que je termine. En fait, je ne vais rien rouvrir. Tant que j'ai pas terminé ces produits-là. J'ai oublié de vous le dire dans l'intro, mais je vous le dis maintenant. Donc, mon huile Argan Oil de chez Creutzfeldt, voilà. Faut que je termine celle-là. J'en ai une autre d'entamée qui venait de chez Action, qu'il faudra que je termine juste après. J'aurais pu vous la montrer aussi, mais d'abord, il faut que je termine absolument celle-ci. Je l'aime beaucoup, hein, mais faut que je la termine pour terminer l'autre, pour pouvoir racheter celle-ci. Voilà. Alors, j'ai deux... tonique à terminer. Alors celui-ci, ça va bientôt être le cas. Il me reste 1,5 cm dans le fond de la bouteille. C'est de chez Révolution, le 2,5% d'acide glycolique. Donc celle-là, j'utilise un soir sur 3. Voilà, puisque c'est un peeling chimique et que c'est quand même assez agressif pour la peau. Donc j'utilise un soir sur 3. Et deux soirs sur 3, du coup, j'utilise celle à l'acide hyaluronique. Donc voilà, c'est juste... il y a de l'extrait d'avoine dedans, Collodial Oatmeal Extract. Et celle-ci, on en est où? On en est à peu près ici, je crois. Ou peut-être un peu plus loin, ici. Donc voilà. Après, j'ai un tonique de chez Action qu'il faudra que j'utilise, mais il faut d'abord que je termine ceci. En essence, j'ai celle-ci, la vitamine C Kakadu Plum, toujours de chez Révolution. J'aime beaucoup son odeur, mais après c'est de la vitamine C et j'ai dit qu'après j'allais éviter la vitamine C parce que j'ai l'impression que ça accentue mes taches pigmentaires alors que c'est censé justement les diminuer. Moi j'ai l'impression que j'en ai plus depuis que j'utilise de la vitamine C. Donc après on arrête la vitamine C, je vous le dis moi. Mon spray hydratant de chez W7 que j'adore, j'en ai un autre en backup. Mais il faut que je termine celui-ci. Voilà, c'est au watermelon. Il y a 75 ml dedans. J'ai juste transvidé le tout petit fond de celui à l'ananas de chez Révolution qui me restait. Je fais toujours ça quand il me reste plus grand chose. Je transvide dans un. Comme ça, je gaspille pas. Une brume que j'adore, que je vais vous en reparler dans les favoris ou que je vous en ai déjà parlé dans les favoris, c'est la Ariel, la Hydro Boost Booster Mist de chez Essence. Donc c'était la collection limitée Princesse et Vilain Essence et Catrice. Donc je vous remets le crash test juste ici. Et j'adore cette brume. Alors elle est biphasée. Et en fait elle est super hydratante. Je m'en sers le soir comme crème hydratante en fait. Je me vaporise ça sur la tronche et je suis hydratée d'enfer. J'adore. Dommage que c'est une collection limitée. J'espère qu'ils la ressortiront en format classique. Parce que... oh, génial. Elle hydrate d'enfer. Alors, j'ai un sérum à terminer avant d'en ouvrir un autre. C'est celui de chez W7. Voilà, j'adore celui de chez W7. Là, c'est celui à l'ananas. Acide hyaluronique, collagène et truc d'ananas, je sais pas quoi, enzyme. Donc là, j'en suis un peu plus haut de la moitié encore. Mais il faut que je termine celle-ci avant de reprendre l'hydratante. La bleue ou la rose, j'aime bien les deux. J'ai encore des de Action, le Glow Booster, le Glow, tout simplement, le sérum Glow. Mais voilà, il faut que je termine celui-ci d'abord. Il faut que je termine également ma crème hydratante de chez Révolution avant d'en entamer une autre. C'est celle-ci dans le pot.
C'est la Splash Boost avec de l'acide hyaluronique aussi. Alors elle est super hydratante, super agréable. J'adore la couleur de la crème. Après, j'aime pas trop le format peau. Donc vous voyez qu'il me reste plus tant que ça. C'est pas mal. Après, le fait qu'elle soit en format peau, j'apprécie pas des masses. Après, c'est une bonne crème hydratante, mais je préfère celle de chez W7 ou la Garnier. Et j'ai deux contours des yeux à finir. Donc il y a d'abord le Cat Perfect de chez Tony Moly. C'est un stick, voilà, il me reste plus grand chose. Je ne vous le conseille pas forcément, il n'est pas super hydratant. Mais voilà, il me reste 1 cm de produit. Donc ça devrait aller assez vite. Il est agréable parce que quand on frotte comme ça, ça masse, ça fait du bien. Mais il n'est pas super hydratant, il n'a pas de côté tenseur et tout ça. Et j'ai le toning des Retinol Ice Cream de chez Revolution, toujours. Donc c'est les derniers contours des yeux qu'ils ont sortis. Il y en a un autre au rétinol qui est sorti en tube que j'aimerais bien me prendre pour tester. Celui-ci, je ne vous le conseille pas du tout. Le produit est très, 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 très bien. Mais alors déjà, la contenance, c'est rikiki. Il y a 9 ml dedans. Donc par rapport aux petits pots qui sont au même prix, qui font 15 ml, ceux de cette gamme-là qui ressemblent à ça. Là, je l'avais pris justement parce que c'était un embout avec un espèce d'embout gloss comme ça. Voilà. Alors déjà la contenance est super petite. J'ai dû enlever l'essoreur directement parce que sinon j'avais rien qui venait sur l'embout. Donc après j'en avais partout, ça a bavé de partout, c'est dégueulasse. Et le truc, ça fait 15 jours que j'utilise, il me reste moins d'un centimètre dedans. Voilà, ça part à une vitesse atroce. Et le dernier produit qu'il faut absolument que je termine cette année parce que je n'en peux plus l'utiliser, c'est de chez Caudalie, c'est le Vinactif ou huile de nuit détox pour tout type de peau. Donc celui-là, je l'utilise maintenant depuis 2 ans. Et il m'en reste un peu moins de la moitié. Il me reste 1 cm, 1,5 cm dans le fond. Je n'en peux plus de l'utiliser. Mais là, il faut que j'essaye absolument cette année de le terminer parce que j'en ai marre de l'utiliser d'ailleurs. Surtout que Vinactif, c'est pas une gamme que j'affectionne particulièrement. J'aime pas trop leur odeur. Donc pour le make-up, ça sera pareil que pour les soins. Interdiction de rouvrir certaines catégories de produits tant que je ne les ai pas terminés ceux-ci, hormis ceux qui sont dans le calendrier, dans les calendriers de l'avant. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait la vidéo ou pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est la vidéo qui vient après. Je ne sais plus trop, mais voilà, je vais faire un crash test de tous les produits, d'une partie des produits que j'ai eu dans les calendriers de l'avant, essence, H&M et celui que j'ai gagné chez Lily Muse. Donc là, forcément, je vais tester des trucs. Mais sinon, je n'ouvre rien d'autre et ça fera partie ensuite du Project Pan aussi. Donc, on va commencer avec les bases. Et là, c'est un carnage, les bases. Je dois terminer celle en spray de chez Route Cosmétique. Donc là, il me reste 1,5 cm. Je pense d'ailleurs que comme j'ai également celle de chez Primark. On va tester ça tout de suite, hein. Un produit fini, voilà, voyez, comme quoi. Donc, j'ai celle en spray de chez Primark, mais comme elle est super hydratante, normalement, la rude, je mettais, et puis je mettais ma base en spray, j'attendais qu'elle sèche, et je remettais une base en crème par-dessus. Celle-ci n'a absolument pas besoin, parce qu'elle est super hydratante. Donc là, j'en ai pour un bon moment, hein. Il y a 150 ml, voilà. Donc, celle-ci, il faut absolument que je la termine. Maintenant, il y a un petit peu de la rude dedans, hein, mais on s'en fout. J'ai également, donc celle-ci est toujours pas finie, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 14 décembre. Il me reste peut-être 2-3 utilisations dedans, mais j'en viens à bout, donc elle va aller vite dans les produits finis aussi. Ensuite, dans toute logique, je suis en train d'utiliser celle-ci à l'heure d'où se sort la vidéo pour essayer de la terminer aussi, donc c'est la Glow de chez Sephora. J'ai également la Princesse Potion de chez W7, donc celle-ci elle est pas mal, elle sent bon, elle a un côté glow, bah, comme la Catrice en fait, que je dois terminer aussi. Vous voyez, c'est un carnage les bases. Donc je vous les montre à peu près dans l'ordre où je vais les utiliser avant d'en rouvrir, sauf que je terminerai par la Primer Water parce que j'en ai vraiment pour un bon moment, je crois. Donc là, je vais essayer de terminer les deux là qui sont des glows, mais vraiment très 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 glow. Ici, c'est la Glow & Care Primer with Super Fruit Complex en 15 ml. Donc, elle fait la moitié. Donc, elle ira peut-être plus vite aussi, mais celle-ci, il en reste plus beaucoup. Donc, ces deux-là à terminer. Et la XX, qui est la Hydrafix, que j'aime beaucoup aussi.
moins que la Catrice, mais je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Alors ensuite, en fond de teint, j'ai bien sûr le True Skin de chez Catrice. J'adore, donc je m'en fous de ne pas le terminer très vite, hein, mais voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, il faut que je le termine avant de pouvoir en ouvrir un autre. Il faut également que je finisse le Insta Perfect de chez Essence. Et celui-là, je pense que 2-3 fois grand max, et il sera terminé. Donc voilà, courant du mois de janvier, je vais essayer de finir celui-là au plus vite, même si je dois laisser mon Catrice un petit peu en suspens, mais comme ça, ça m'en ferait un de fini aussi. Je vais également essayer de finir assez vite la CC Perfecting Foundation de chez Révolution Pro. Je l'aime énormément. Il y a un SPF 30, donc normalement, je m'en sers plus en été, mais pour éviter que ça traîne, au moins finir ce tube-là. Il faut que je mélange les deux, en fait. Sauf qu'il faudra que j'en rachète un pour pouvoir finir celui-là après. C'est tout un bordel. Donc, je vais quand même essayer de finir au moins celui-là en mélangeant les deux. Donc, c'est la teinte F6.5 et la teinte F10. Et je verrai après pour en racheter, mais pas tout de suite, tout de suite. En attendant, celle-ci, je la mixerai avec la bébé crème, mais ça sera pour l'été. Hein. La Pretty Fresh avec acide hyaluronique, c'est une crème teintée, donc une bébé crème quoi, de chez Colourpop. Donc, j'essayerai de mixer les deux, je verrai si la teinte, ça peut le faire avec le F10. Et on essaiera de les terminer comme ça ensemble. Mais la bébé crème, c'est vraiment pour l'été. En anti-cerne, j'en ai toujours qu'un d'entamé à la fois. Là, c'est le Infinite. J'ai deux Infinites en backup plus 3 XX. Donc, j'ai de quoi faire, mais ça je les entame que un par un. En poudre, là aussi, c'est un carnage. Donc là, je suis en train d'essayer de finir la Sephora. Je l'aime beaucoup. Hein. C'est la poudre lissante éclat Beauty Amplifier. Voilà, j'ai déjà fait un trou dedans, donc j'en suis plus très loin. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle lisse bien. Elle fout un peu les ridules et tout ça, les petits pores et compagnie. Donc, je l'aime bien. Je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Maintenant, est-ce que par rapport à la Essence, la Holobot Matte, celle-ci a un côté lissant que la Holobot Matte n'a pas, mais voilà. J'ai la Nude Illusion de chez Catrice en poudre libre. Donc ça, en pratique, je m'en sers pour mes cernes. Et j'en suis ici, en fait, si je la mets de côté. Donc, celle-ci, je ne suis pas prête de la finir, mais on va quand même essayer de l'utiliser un petit peu plus. En poudre transparente, j'ai également la Révolution Pro, qui est la Translucent Pressed Powder, que j'aime bien aussi, franchement, c'est avec de l'acide hyaluronique. Donc celle-ci, il faut que je la teste un peu plus en profondeur, donc je pense qu'après la Sephora, c'est celle que je vais utiliser. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup, mais elle teinte un petit peu le fond de teint, même que c'est censé être une transparente, c'est ça, hein. Universal Shade, ouais, mais pourtant, elle teinte quand même un petit peu le fond de teint, mais vraiment très léger. Hein. Donc, ou je testerai celle-là, après je sais pas, enfin, il faut que je la finisse de toute façon, de chez Catrice, que j'aime beaucoup. Mais alors, c'est le genre de poudre à appliquer à la houppette, principalement. Et en poudre teintée, j'ai la Matte Maker, que j'avais dans le swap avec Manon, de chez Maybelline, que j'aime beaucoup. Et les deux de chez Essence, qu'il faudra que je termine absolument aussi. En bronzer, j'essaye de finir absolument maintenant le Oula de chez Benefit. Voilà, vous voyez qu'il est quand même bien creusé. Et quand celui-ci sera fini, je passerai au petit de chez Tarte. Voilà, c'est le Park Ave Princess. Vu que c'est un mini, il devrait se finir assez vite. Donc, il est scintillant, mais je pense que ça le fera quand même en bronzer classique. Ça se voit pas trop qu'il est scintillant, donc voilà. Une fois que j'ai fini mon Oula, j'attaquerai le Tarte. Et je sais pas si on aura assez pour l'année. On en reprévoit un autre. Allez, après ça sera le Chocolat de Soleil. Voilà. Une fois que j'aurai fini cela, on passera au Chocolat de Soleil qui est bien, bien, bien creusé. Hein. Ils sont bons. Il est bien, bien, bien creusé. On voit pas encore le panne, mais on doit pas en être très loin. Donc ça sera l'ordre des prochains bronzers que je vais utiliser. Blush, j'en ai pas forcément à finir, hein, puisque j'en ai pas de creusé. Le fixateur. Donc le fixateur, pour l'instant, j'utilise celui-ci que j'avais eu dans le swap aussi avec Manon. C'est le Vanilla et Coconut de chez Révolution, de la gamme I Earth Révolution, enfin I Love Révolution, le Fixing Spray. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est celui que j'utilise depuis que je l'ai eu dans le swap et il a déjà bien descendu, je suis à la moitié, donc il va se finir assez rapidement.
Ensuite, j'ai les deux XX qui sont entamés. Donc, il faudra que je les termine. Alors, mon préféré, c'est le Face Fix ici. Voilà, il sent la noix de coco. J'adore l'odeur. Hein. La brume est la même pour les deux. L'effet est la même pour les deux. Celui-ci, je préfère l'odeur à la coco de celui-ci que celui-ci. Il sent soi-disant l'aloe vera et la pastèque, mais enfin, il sent vachement l'aloe vera en fait. Donc, j'aime bien les deux de toute façon en fait, mais j'ai une petite préférence pour l'odeur à la coco de celui-là. Donc, ça, il faut que je termine absolument les deux avant de rouvrir un autre. Par contre, le prochain que j'utilise après le Révolution, c'est celui-ci. Trop mignon, que j'ai eu donc dans le calendrier de l'Avent que j'ai gagné au concours de Lily Muse. Hein, je vous mets sa chaîne, je vous la mets juste ici d'ailleurs. Comme ça, vous pourrez aller vous abonner. Il sent le Malabar, il est juste trop chouette. Donc là, je l'ai pas, j'ai juste senti, je ne l'ai pas encore testé. Je ferai ça dans le crash test du calendrier de l'Avent. Mais du coup, comme c'est un petit format, il fait 60 ml. Il se finira assez vite, donc je vais utiliser celui-là en premier, comme ça. J'en ai pas un qui se rajoute dans mon tiroir. Voilà, donc en autre produit, donc ma base à paupières, il faut que je termine la Cut Crease Canvas qui est entamée. J'en ai encore une en backup, mais au moins terminer celle qui est entamée pour après pouvoir utiliser ma Ultimate. Mais il faut aussi que je termine ma Pelouise. Ce serait peut-être temps, un peu le temps que je le dis, mais bon. Il ne doit plus rester tant que ça, donc il faut que je me force. Une fois que la Cut Crease est finie, je termine la Pelouise parce que je n'en peux plus de l'avoir traînée là. Mon petit fard Catrice, qui est le fard beige pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc ça, c'est pareil, j'en entame que un à la fois. Vous voyez qu'il est bien, bien, bien creusé. Et j'ai le Wet n Wild après pour remplacer celui-ci. Et pour terminer, j'ai deux liners et deux mascaras. Donc il faut que je termine mon petit liquid ink de chez Essence. Là, je suis presque au bout. Hein. Je pense que deux traits de liner, max, peut-être quatre si j'arrive à le faire. Il sera terminé. Là, je suis vraiment en train de racler les bords. Et celui de chez Catrice en version matte que j'aime beaucoup. J'aime pas trop la pointe, mais j'aime beaucoup le produit en lui-même. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc après, j'utilise celui-là avant d'ouvrir un liquid ink. Comme ça, j'ai plus de entamé. Et en mascara, donc pour l'instant, j'en suis au Aini de Miracle. C'est celui que je viens d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Donc il va me faire 2-3 mois là, je pense. Donc il faut que je termine celui-là avant de rouvrir un autre, qui sera probablement un Catrice, puisque je vais alterner une fois sur deux. Et pareil, il faut que je termine le petit gift là de chez Tarte. Donc c'est celui du coffret Amazonian Clay que j'ai eu dans le calendrier, pas dans le calendrier, dans un coffret avec un blush, ça, et ben le petit bronzer. Donc là, pareil, hein, il ne reste plus des masses à utiliser, mais je l'utilise quand je mets des fossiles en fait, parce qu'il fait rien de très spécial. Donc je vais quand même essayer de terminer tout au long de cette année au moins deux rouges à lèvres que j'ai depuis très longtemps qu'il faut que j'utilise. Donc il y a d'abord le Angel de chez MAC. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Voilà ce qui reste. Il a déjà bien vécu. Hein. Donc là, ça, je vous l'avais déjà mis dans une précédente rotation make-up. Mais là, je vais vraiment essayer de le terminer au plus vite. Donc, dès que je me maquille, que je ne suis pas en vidéo, c'est un de ceux-là que je mettrai. Comme ça part. Quoi. Et le Guerlain de la collection de la Petite Robe Noire. Donc, je l'avais reçu de la part d'un ami. C'est la teinte 011. Pour un Noël, il me semble, ça fait très 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 longtemps, et voilà ce qui reste. Donc, pareil, oh, j'adore l'odeur. Donc, voilà, on utilisera celui-là aussi au max. Donc, vous saurez que dans les vidéos de janvier, si vous ne me voyez pas appliquer du rouge à lèvres, que je vous dis rien, c'est que c'est un de ces deux-là. Donc, voilà, il faut absolument que je termine tous ces produits-là avant de pouvoir ouvrir des nouveaux parce qu'il ne faut pas déconner, hein, trop de réserve, c'est pas bon. Voilà, j'aime pas avoir trop de produits entamés d'un coup. Cette année, je me suis laissée emporter aussi bien par les achats que par les tests. Donc, on va y aller mollo. J'aurais pu remettre du rouge à lèvres hein, pour faire cette vidéo. C'est bien d'y penser quand t'as fini, cocotte. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît en fin d'année. Voilà, je trouve que c'est bien de... Quand vous avez tout qui est étalé comme ça devant vous, vous vous dites ah, non, j'ai beaucoup de trucs, trop de trucs d'entamer là, il faut aérer tout ça. Donc on utilise et seulement après on rouvre. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes tombé sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir, ça m'encourage énormément, donc on est content.
Dites-moi aussi en commentaire si vous, il y a aussi comme ça des produits que vous voulez absolument terminer avant de rentamer un autre, si vous ouvrez qu'un produit à la fois. Enfin, racontez-moi comment vous jonglez avec vos produits ou si vous entamez 10 fonds de teint d'un coup. Et on se retrouve donc demain pour une autre vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.